Salut à tous, salut même l'espèce de garçon là qui s'est pris pour je sais pas quoi là sur internet là tout à l'heure là. Salut. Macron, samedi, il va falloir que tu caches Brigitte. Il va falloir que tu caches Brigitte. Tu sais, je vais te dire une chose. Jusqu'à maintenant, on est resté à l'écart, on est resté beaucoup, on est resté pacifiste. Pacifiste, on est resté chez nous. C'est bien beau de prendre des roses jaunes, hein, se les mettre dans le cul et aller faire l'autruche pendant les réunions là-bas, pendant les manifestations vers toi là où tu es à Paris. Faut pas oublier une chose, c'est qu'on a un petit chez nous qui est décédé par un poids lourd. Ça n'a pas choqué personne. Sa femme aujourd'hui, elle le pleure. Son bébé aujourd'hui, le petit David, elle le pleure. Ça n'a pas gêné personne. Ça a gêné aucune personne. Par contre, quand tu vois tes espèces de chiens qui battent des ailes avec des matraques se faire casser le cul, hein, eh ben, ça te pose un problème. Ça te pose un vrai problème. Ça te dérange. Ton espèce de capitaine, vous avez saisi le GIGN, la police des polices, là. Mais lui, il a encore son droit de travailler. Par contre, pour le boxeur, ce soir, il va être déféré. Pour ceux qui sont à Paris, mes cousins, je fais appel à vous tous. Allez tous là-bas sur Paris au jugement du boxeur. Bloquez les issues de partout. Terminez tout ce soir là-bas sur Paris. Et samedi, on en découdra une bonne fois pour toutes. Parce que pour le moment, je vois juste qu'une chose, Macron. C'est que derrière ton Élysée, à te cacher tous les vendredis soir, parce que c'est limite, tu t'en vas pas jeudi, toi, pour le dimanche arriver, pour laisser la guerre samedi se passer là-bas. Hein, au lieu de faire le PD et de quitter là-bas ton petit Élysée, faut y aller. On va essayer d'y rentrer samedi, d'accord? Salut tout le monde. Et je vais te faire voir que tes chiens, là, tes espèces de chiens, là, tes agents cynophiles, nous aussi, on a des beaux tchoukels de 80 kilos, nous aussi. Nous aussi, on a des gros chiens avec nous. Nous aussi, on est armés. Nous aussi, on a ce qu'il faut, Macron. Donc, apparemment, on mélange tout aujourd'hui. On mélange tout. Jusqu'à tout à l'heure, il y a un espèce d'enculé qui nous a confondu, nous, voyageurs, avec des Roumains. Alors, ils font peut-être partie de la communauté globalement, mais on n'est pas des Roumains, nous, ma couille. D'accord? On fait pas caca dans la caravane, nous, ma couille. Tu comprends ce que je veux te dire? On fait caca à 500 mètres de chez nous. Tu comprends ce que je veux te dire? Et on travaille, espèce d'enculé. On travaille. Ok? Donc, on fait de ville en ville, on travaille. Et ben, samedi, on va te faire voir. On a créé un groupe spécial. Et une grosse dédicace à tous les médias, bande de sales mange-morts que vous êtes, parce que vous n'y serez pas dans le groupe, il n'y a que des gitans là-bas. Samedi, on va monter en force. Tout le sud de la France, on va monter en haut. Et il y en a un qui a dit, oui, il faut bloquer les raffineries, le gars de Marseille, il faut bloquer les ports. T'as raison. Mais pour l'acte 9, on monte tous à Paris. Peut-être que l'acte 10, on se mettra en place. Et là où je te rejoins, celui qui a publié la vidéo, il ne faut pas le faire que samedi. Il faut le faire du lundi au dimanche. Pour ceux qui ne travaillent pas, allez-y. Pour ceux qui travaillent, un arrêt de maladie. Vous êtes malade, vous avez une fièvre. Pour 3-4 jours, c'est pas grave. C'est reculer pour mieux sauter. Tu comprends, Macron? Tu nous as assez pris pour des cons. Tu nous mets la quenelle. Mais la quenelle que tu veux nous mettre dans le cul, pour le moment, c'est toi qui es en train de te la prendre indirectement. Et sans pour autant t'en rendre compte, ça ne tourne pas du tout comme tu le veux. Tu comprends? Pour ceux qui sont là en train de dire « Arrêtez votre violence, arrêtez !» Mais moi, j'ai envie de vous dire, bande de mange-merde que vous êtes, s'il n'y avait pas eu la violence, aujourd'hui, vous aurez payé 2 euros le litre d'essence, d'accord? Des gens aujourd'hui, je parle pour les petites mamies, les petits papis retraités que j'aime beaucoup d'ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas avec 600 balles hein, qui vont pouvoir mettre le gasoil et aller voir leur famille dans les campagnes s'évaporer. Ils sont déjà en fin de vie, ces gens-là. Ils ont déjà un pied dans la tombe. Là, tu les mets d'entrée de jeu par toi-même dans la tombe. Tu comprends, ma couille, ce que je veux te dire? Tu comprends? Donc, on va te faire voir que l'Hérault, le Gard et tout ce qui suit, toute la côte, on va tous monter samedi. Je ne vais pas m'éterniser. Je ne suis pas quelqu'un qui veut faire du buzz. Je suis quelqu'un qui buzz déjà sur les réseaux sociaux. Et si tu te renseignes bien, tu verras. Je ne vais pas me cacher. Je n'irai pas à visage comme ça, comme la plupart que je vois aller manifester. Vous mettez tous des cagoules. Sachez juste une chose. On paye, on assume notre pays, tu comprends? Il faut y aller à visage découvert. C'est quoi ces espèces de machins? Vous mettez des foulards là, vous vous êtes cru dans GTA mon copain ou quoi? Je comprends pas ma couille. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait des guignols. Vous mettez tous des bandeaux. Allez-y comme des hommes ma couille. Allez-y comme des hommes. Arrêtez d'y aller avec vos foulards. On est fiers d'être français, non? On est fiers d'être français, non? Pourquoi cacher ta gueule? Dans tous les cas, tu la caches. Mais si on t'attrape, ils te la décachent. Donc, t'es baisé. Tu pars où au cachot? On l'assume la prison, c'est pas grave. Pensez à vos enfants. Pensez à vos arrière-petits-enfants. Pensez à tout ce qui suit derrière nous. Tu comprends?
Que tu vas en prison ou pas pour ce qu'on a fait, c'est pas grave. Grâce à ça, peut-être que ça va déboucher sur autre chose dans quelques jours. Même si on est en prison. Même si on est en prison. Et puis tu sais, je vais te dire une chose, Macron, en me mettant en prison, moi ou mes cousins, ou peu importe qui, je suis logé, nourri, blanchi. Et en plus, la quenelle, je te la prends dans le cul. Parce que je reçois mes mandats, mes parloirs, j'ai le téléphone, j'ai tout. Je vis mieux en prison peut-être que dehors, tu comprends? Avec tes espèces de corrompus de matons là. Tu lui donnes 5 balles, il est content, machin. Il y a les matons, ils fument le shit là-bas en prison. Tu donnes une petite taf, le garçon, tu l'entends plus de la nuit. Tu peux taper surveillant, l'impression, il est décédé, le garçon. Tu comprends? Et c'est ça, c'est une vérité, ça. Et ça, c'est une vérité, hein. Donc, je veux dire, Macron, je vais pas m'éterniser avec vous, les gens. Soyez solidaires. Le boxeur, on est de tout cœur avec toi. On lâchera rien. Nous, les gens du voyage, on a toujours été comme ça, d'accord? On a toujours été main dans la main. Mais on ne le sera jamais avec ton état d'enculé. Tu peux me faire confiance. Là, je vais à l'essence. Quand je vais à l'essence, c'est une sodomie. Là, je vais me faire sodomiser. Pour la première fois, c'est une sodomisation, tu comprends? Tu comprends? Là, je vais vraiment me faire sodomiser. Le pire, c'est ça, c'est que je vais mettre l'essence, je vais avoir mal au cul. C'est pour ça que ton gilet jaune, là, qui sert à rien, on s'en bat les couilles concrètement. On est gilet jaune, mais avant d'être gilet jaune, on est citoyen. Et avant d'être citoyen, on est le peuple. Tu comprends, espèce d'enculé? Donc, pour toutes celles qui, ou tous ceux qui ont la culotte pleine de pipi, vous le changez de votre gilet jaune. Hein, vous vous l'enfilez et vous allez faire les pacifistes ailleurs. Samedi, on passe à un stade supérieur et l'acte 10, il sera encore plus gros. Faites-moi confiance. Regarde ce qui arrive samedi. Franchement, on est déjà une bonne centaine. Une bonne centaine de camions et de camping. Il va falloir que tu dises à tes chiens de toucher les caravanes. Et après, on te fera voir qu'est-ce que c'est de toucher notre bleu d'habitation. Tu verras. Quand vous venez chez nous, vous restez dehors dans le terrain. Vous faites les carpettes, vous avez la tête entre les cuisses. Vous n'êtes même pas rentré. Vous êtes là, vous appelez carrément 500 personnes pour 4 familles, ma couille. Pour 4 familles, ma couille. Et après, tu viens, toi, tu... Eh, c'est bien beau de faire les hommes. Moi, je suis content qu'il s'est fait taper, le flic. Il en a pris un petit peu par-ci, pim, et un petit peu par-là, pim, il s'est fait taquiner. Eh ben, c'est les choses qui arrivent, c'est comme ça, d'accord? Quand vous avez tiré dans la bouche des personnes âgées qui n'ont rien demandé, ça t'a pas dérangé. C'est bien beau de saisir la police des polices. C'est bien beau, en espérant que ceux qui ont fait ça vont le payer. Mais nous, vous nous faites payer dans les 3 heures qui suivent. Par contre, tes collègues, ils sont encore en train de piner leurs femmes. Eh, mesdames, femmes flics, là, ça vous fait quoi de voir vos maris hospitalisés en train de boire de la soupe, hein? C'est le cas inverse de ce que nos femmes ressentent quand on a pris des coups de flashball, hein? Mon propre camion, ma couille, vous m'avez tiré un coup de flashball, j'ai perdu le pare-choc pour aller récupérer des enfants à l'école, pris par la manifestation. Ça m'a coûté un pare-choc, cette affaire. Hein? Tout ça parce que j'ai voulu prendre des gosses et les ramener chez leurs parents. Parce que vous n'avez aucune limite, d'accord? Donc vos femmes ou vos enfants, je me torche le cul avec leur gueule. On est bien d'accord? On n'a aucune pitié à avoir, étant donné que vous n'en avez pas envers nous. Nous qui faisons marcher la France, la planète, si tu enlèves nous, tu sais, les pigeons, parce qu'aujourd'hui on était pigeons, tu comprends? On était pigeons. Mais si tu enlèves tous les pigeons, qu'est-ce qui se passe? Il reste que vous. Mais c'est pas vous qui l'a fait marcher la France. Hein? Vous prenez aujourd'hui pas des Français pour travailler, mais celui qui est en Allemagne, celui qui est là-bas, et le Français il est au chômage, et après tu te dis, tu traverses la rue, il y a du travail. J'ai traversé la rue, j'ai trouvé quoi? Un piquet où m'asseoir dessus, ça m'a fait mal au cul. On est tous chômage, ma couille, si tu veux aller par là. Heureusement qu'on trafique par-ci, par-là un petit peu pour essayer de gagner notre pain. Honnêtement, quand j'entends les gens qui nous disent « Oui, vous êtes des voleurs de DF, ma couille, si je vole le DF, tant bien même t'as raison, mon copain, espèce de narvalo. » Eh ben, c'est peut-être parce que l'État est en train de m'enculer à sec et qu'aujourd'hui, il m'a fait un troisième trou du cul alors que pendant tant d'années, j'en avais qu'un seul. Tu comprends? On arrive à un moment où ça en finit pas. Et là où je vais en venir avec toi, c'est que on va pas se contenter que du samedi. On va faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et tout ce qui va avec. D'accord? Tout simplement, on va pas se faire chier. Je fais appel à tout le monde, que ce soit toutes les communautés musulmanes, africaines, blancs, tout. Sachez juste une chose, la religion, là, maintenant, tout de suite, les origines, on s'en bat les couilles. D'accord? On parle de nous. Nous, le monde. Nous, la France. Que tu sois juif, black, rebeu, ce que tu veux, on s'en fout, mon ami.
Il faut y aller, il faut leur faire voir ce samedi-là. Descendez des banlieues, prenez vos voitures. Si vous n'en avez pas, vous avez le scooter du premier riche d'à côté qui ne paye plus rien, ben prenez-lui son scooter. Hop, 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 un coup de Neyman. Tu prends, hop, tu t'en vas, arriver là-bas, la manif, tu le jettes, il se démerde. Il a de l'argent, lui. Il a de l'argent, lui. Donc, c'est pas grave, il va pas pleurer beaucoup. Tu comprends? Voilà. Donc, je vous le dis, descendez tous. Là, pour ce acte 9-là, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Perpignan, tout, montez sur Paris. Et l'acte 10, on bloque les bateaux. L'acte 10, on te bloquera les bateaux. Peu importe. Jean, je ne vais pas t'en dire plus ici. Voilà, nous, on a un groupe privé. Personnellement, on communique. Les médias, je sais que vous êtes là. Eh bien, sachez une chose, c'est qu'on vous pisse à l'arrêt du cul. BFM TV, relis bien tes initiales. Hein. Relis bien tes initiales de BFM, d'accord? J'en dirai pas plus, parce que cette vidéo déjà va me faire des problèmes. Mais allez-y maintenant. Allez-y maintenant et foncez. Il n'y a pas de attention. Et puis, ouais, tant qu'à faire, les grenades. Hein. Si tu veux garder tes mains quand même, laisse-les par terre, ok? Parce que j'en ai vu un la ramasser, putain, ça a pété en plein live. Ou tu prends une raquette, au pire, quand ça arrive, tu renvoies, tu vois. Il y en a un qui l'a fait et ça marche bien apparemment pendant la manif. Ça envoie très très bien. Donc maintenant, voilà. On se fait tous niquer, toutes les communautés, on se fait tous niquer. Maintenant, arrêtez de faire les yalos, arrêtez de faire les petits paysans là, hein. Arrêtez de bouffer la quenelle. La quenelle, à un moment donné, c'est à lui de la manger, d'accord? Et quand j'entends la Kiapa là, Kiapa qui dit oui, mais on va retracer tous les donateurs. Espèce de pute, espèce de sale poufiasse que tu es, mange calotte de mort. Tu as instauré aujourd'hui une loi qui autorise nos filles à se faire troncher à 14 ans, c'est à son d'accord. Mais espèce de pétasse, t'es encore plus pute que ta propre loi, toi, Kiapa. Donc, Kiapa ou je te chie dessus, ferme-la un peu ta gueule. Les cagnottes, on va s'en occuper. Et en ce qui concerne tous vos réseaux que vous faites à droite et gauche, on est peut-être voyageurs, mais ça ne veut pas dire qu'on est des illettrés, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui touchent l'informatique qui vont vous faire comprendre dans pas longtemps qu'il y a beaucoup de réseaux qui vont être saturés. J'en dirai pas plus, je vous embrasse les gens. Soyez tous ensemble, tous ensemble. Ton prochain, ton co-détenu ou ton copain ou ton voisin, il tombe, tu le ramasses. Ne le laisse pas par terre. Tu le laisses par terre, t'es baisé. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc Macron, la centus qui va se glisser dans ton cul, c'est pour samedi. D'accord? Je vous embrasse les gens. Je voulais parler aussi avec Drouet. Drouet, mon copain, t'es brave, hein, t'es sage. T'es sage comme garçon. Et je voulais parler à celui qui a la barbe rousse là. Toi aussi, t'es sage. J'aime bien tes discours. Mais à un moment donné, arrête toi aussi d'avoir peur. Vous êtes là pour essayer de faire du buzz. Vous êtes passé à la télé, vous avez fait du buzz, c'est bien, bravo, tu nous as rien rapporté de plus avec ton pacifisme. Si aujourd'hui on a réussi à faire, c'est la castagne qui a voulu que, c'est pas ton. On y va avec une rose, regardez, parce que même avec la rose rose, ils te l'ont mis dans le cul. Ils ont réussi à te la mettre dans le cul, la rose rouge, tu comprends? Voilà, donc au final, t'as rien brûlé du tout. Donc, je t'aime bien, mon ami, c'est bien ce que vous faites, mais arrêtez un peu de faire un petit peu de la lèche. Parce que t'es contradictoire dans ce que tu dis, c'est un petit peu de la lèche et un petit peu, t'as compris? Et moi, je vous suce la bite ni à toi ni à Drouet, t'as compris? Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des mamies qui se font éclater la mâchoire, des papis, et le vieux qui s'est fait tirer de la colline qui avait rien demandé. C'est pas normal. Les gens, je vous laisse. Il y a une espèce de riche derrière qui me casse les couilles pour mettre son plein d'essence. Et comme je suis un clochard, je vais essayer de me démerder avec. Je vous fais des gros bisous. Tous ensemble, les gens.